je m'appelle Dorine, j'ai 20 ans. Il y a 2 ans, je venais d'avoir un bac professionnel restauration dans la cuisine. Ensuite, j'ai eu 1 an de battement où j'ai fait des petits travaux à côté. Et en 2018, je suis rentrée en BTS GPME, qui était anciennement BTS assistante de gestion. Alors, je suis dans une entreprise de maintenance de travaux électriques. Mon poste en lui-même, c'est correspondante marché. Donc, certaines de mes missions, ça va être d'avoir un portefeuille client, de faire de la facturation, de la prévision d'encaissement, de remplir des commandes ou des devis sur un logiciel, de faire de la relance client. Et puis voilà. C'est arriver le matin, dire bonjour à tout le monde dans le couloir. Ensuite, chaque matin, on a des impératifs, par exemple faire la collecte, c'est récolter tous nos encaissements de nos clients. Ensuite, on va aller sur notre logiciel et je vais enregistrer des commandes ou des devis. Je vais pouvoir soit faire de la facturation, soit faire des contrats de sous-traitance. Après, l'après-midi, ça varie selon les tâches qu'on me donne. Gaëlle Pirou, je suis responsable crédit client. Nous avons l'habitude d'accueillir des alternants au sein de notre entreprise. Je suis sa tutrice, mais sur le terrain, j'ai une collègue qui s'occupe plus d'elle au quotidien tous les jours. Je suis plus là pour les remonter en termes de ressources humaines et puis de prise de décision. Au quotidien, c'est Virginie Pinel, ma collègue, qui lui transmet les tâches à effectuer. Et au cours de son alternance, Dorine a acquis plus d'autonomie, donc on lui a également laissé gérer toute une unité opérationnelle, de la commande à la facturation jusqu'au recouvrement. Tout d'abord, c'est dans une démarche d'aide de nos collaborateurs. Effectivement, Dorine aide au quotidien ma collègue. Le but également, c'est d'avoir un œil neuf sur la société, un certain dynamisme. Et également, pourquoi pas, d'arriver à une embauche. J'ai recherché de mon côté, j'ai appelé énormément d'entreprises sur Rennes ou aux alentours. Et en même temps, j'étais aidée par une chargée de formation à Totem qui m'aidait elle aussi par rapport à ses recherches. Je lui donnais toutes les entreprises que j'avais pu chercher, comme ça elle pouvait appuyer mon CV et elle, de son côté, recherchait aussi pour moi. Ça m'apporte le côté professionnel. Sur un CV, c'est plus avantageux d'avoir déjà une expérience professionnelle en plus du diplôme que d'avoir juste le diplôme en lui-même. Depuis que je fais ma formation en BTS, du coup en alternance, ça permet d'être indépendante au niveau financier et dans la vie active.